Salut à tous mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chauds. Aujourd'hui on va se faire Fourman avec Zardimos. Salut Zardimos, ça va? Salut, salut! Tu es prêt? Eh bien, je suis prêt. T'es sûr de toi? Ouais. Réfléchis bien. Ok, donc si on meurt juste après ça, c'est qu'on était finalement pas si près que ça. Voilà, bref. Du C'est coup... quoi? Attends 2 secondes. Je vais sauvegarder. Sauvegarde. Voilà. Mais je crois que c'est un peu compliqué les sauvegardes en multi. Oui, je sais. Mais écoute, c'est tarpi. Let's go! Ça va pour l'instant. Elle tape bien dans le cul. Attends, il balance ses trucs là, c'est bon. Bah. Ça, par contre, c'est chiant, on peut rien faire contre. Attends. Fais gaffe derrière toi. Ouais. Attends, il faut que je me soigne. 6. Ça va en fait, on gère bien. Enfin, moi je suis choqué là. On s'est pas entraîné, on s'est pas chauffé avant. Ouf, par contre, il m'a assommé. Ah merde! Putain! Ouais. Par Vas-y, contre, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, là, ça va être compliqué. Attends, tu sais quoi? Je meurs, je reviens tout de suite. Ok, survie. Vas-y. Juste que je me trompe pas de chose. Là. Ah, et Spider-Man. Vas-y, viens, vite. Merde. Allez. Je prends ça. Là. Ah, waouh, limite. Eh ben, écoute. T'es arrivé à temps, j'arrive. Allez, vas-y, je temporise. Faire ça, hop. Ok, j'arrive. C'est que j'avais déjà calé une partie de mes soins et autres. Allez, viens par là. Il ne reste plus grand chose. Punaise, on a bien géré là. Qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas ce qui nous est arrivé. J'arrive. C'est que c'est un peu embêtant là pour monter. Et vas-y, viens. Ah, mais je suis déjà en face de toi, c'est bon? Aïe. Oula, qu'est-ce que... Bon, j'ai des bugs, hein. Il est... Il est pas toujours au même endroit. Parfaite, et tu meurs. Allez, et fouiller les restes. Allez. Et ben voilà. Bon, on a pas trop mal géré. Franchement, ça va. Et Fourman est facile. Je trouve qu'il est facile par rapport aux autres. Ouais, on peut s'applaudir. C'est quoi les emotes? Comment tu fais pour les emotes? H. H. Ouais, t'es trop bien. Bref. Bon, ça va, on s'est fait éclater l'autre fois. Là, on arrive, ça fait des semaines qu'on n'a pas joué. Toi plus que moi. Mais c'est pour ça, je t'ai dit, il fallait qu'on y aille à chaud comme ça. On y allait, on l'a fait, j'ai fait plein de soins et tout. Je me suis dit, ouais, on va se préparer, on va faire plein de trucs. En fait, finalement, non. Allez, on appuie sur le bouton. Ouais, vas-y. On va appuyer sur l'autre. J'ai un bug avec le brouillard, moi, tiens. J'avais un bug de Fourman aussi tout à l'heure. J'ai ma lance qui va bientôt se péter, par contre, on a bien fait de vite terminer tout ça. Voilà. Ah, ma lance, moi, elle est aux 2/3, un tiers de sa durabilité. Ah, moi, elle est presque finie.
Et voilà. Oh. Attends, avant de faire quoi que ce soit. Non, l'allume pas pour l'instant. Attends, deux petites secondes. Juste. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu... Je vais un tout petit peu baisser le son du jeu. Ah. J'ai peur qu'il soit un peu fort parce que j'ai modifié les réglages. Right to me, right where I want you. On a le scabé là. Hop. Vas-y, voilà. Vas-y. You are a bit small for an agent of Armament. Tu peux pas... Le truc que t'as récupéré sur la menthe là, tu peux pas le scanner. Mais en fait, j'ai rien récupéré, j'ai juste récupéré sa carte dorée et de la science brute, c'est tout. Non, ouais. D'accord, ok. Bon bah... Vas-y, je t'en prie. C'est que c'est pas un boss que tu peux farmer, donc... C'est logique que tu n'obtiennes rien. Attends, bien. Et voilà Wendell, le petit raisin sec. C'est plus qu'un raisin sec. I thought you were agents of Armament. Come for me at last. Qu'est-ce que je réponds? Est-ce que j'ai l'air de travailler pour Minant? Ça va? Ou Psych, c'est moi. C'est pas quoi lui répondre. La première. Ouais. How should I know what guise Schmechter's agents would come shrouded in? The subterfuges of your ilk know no limits. Still, you do seem a bit young to be in the employ of Armament. Oh, what have I done? C'est Ominant qui a fait ça, pas vous. C'est le directeur Schmechter. Honnêtement, beaucoup. Et je suis un peu inquiet. Par où commencer? On va dire que c'est Ominant. Jusqu'à présent, tu n'es pas au courant de cette histoire. Enfin, tu es vaguement au courant de cette histoire de directeur Schmechter. Mais tu ne l'as pas encore croisé. Tu ne connais pas toute l'histoire. Moi, je l'ai fait. Du coup, j'y réponds la première. Ouais, voilà, il a compris. To think that you have been caught up in all of this. Your children, not much older than my Sarah or Thor. Oh, what has become of me? Threatening death to children. But also, what are you doing here? C'est une longue histoire, je n'ai pas vraiment le temps pour ça. Ou qu'en pensez-vous? Mais écoutez, première, allez, première. La deuxième, mais c'est un peu la même chose. Speaking of forgiveness, please excuse my shriveled appearance. This blasted raisining has taken its toll on my body. My support pod is the only thing keeping me from drying out completely. Parlez-moi du raisinement. Pourquoi vous cachez-vous ici? On se doute, hein. Qu'est-ce que c'était ce truc de menthe? Tiens, on va lui poser les questions là concernant Foreman. My body has withered away.
I created the Mant to be used as a temporary body so that I could continue my work. But I never imagined the insect's instincts would remain, let alone gain sentience. I lost control almost immediately. Ça promet, hein, c'est la on va y arriver, c'est la créature de Frankenstein. Littéralement. Wendell Tully, husband, father, scientist, he succeeded only in the end. Ok. Pourquoi vous cachez-vous ici? On va commencer par ça. Became too much, I realized I had to find a cure before it was too late. I hid here, away from the eyes. So many prying eyes. Ominent has always wanted to steal my work. They would never admit its worth and greatness, and yet they would always take it. Especially Schmechter. I have made many mistakes in my life. Countless, really. But one that I will never make again is to allow my discoveries to fall into the hands of that corporation. If I must die for it, so be it. On peut lui poser la question, qu'en est-il de votre famille? Tu veux que je lui pose cette question? Ouais, vas-y. My greatest regret. If only there was something I could do to reverse time. Some sort of time machine. The science seems quite clear it would be impossible. And yet I never thought that covalent spacing reduction could be a reality either. If the raw science could be applied in the way of the time struggle. No, the time space continuum. If one found. Okay. You can, Wendell. You see, even if I went home now, my family wouldn't recognize me. Trudy would not see the man she buried. My children would be repulsed by the bag of skin that speaks with the voice of their father. Parlez-moi du résignement. Like the grape set out in the sun, the body shrivels, withers, desiccates, becoming a husk of what was once a living being. In essence, what you see here before you, in all its unholy glory, the withered man. Well, if you will allow me to check your scabby. You've been in the yard for months. You should be well raisoned by now. Ah, moi j'ai pas eu la même phrase. Il m'a dit vous êtes ici depuis plus d'un an. Parce que sur mon autre partie, j'avais joué plus longtemps. Nothing in my research has shown that there is any immunity to it, and yet here you are. Perhaps it is that your youthful bodies are more resistant than others. Likely, this is why Ormanent was experimenting on children to begin with, which means... Did Schmechter find a cure? Mais toi, tu trouves un remède de... Je crois pas, hein. No, but I am. I have no doubt. Sinon, il aurait pas envoyé des gosses. Damn. Peut-être, je sais pas. As much as I loathe the man, I must admit that Schmechter is brilliant in his own way, though his methods can be quite distasteful. We cannot rule out the possibility that he has done it. Could that mean there is hope for me? Home. Oh, je dois rentrer chez moi, course. S'il vous plaît. Home. Your parents must be worried. So. Very worried. The process is not difficult. You will simply need to brew an embiggening cocktail at the Javamatic machine. Okay. Cocktail, super. C'est quoi la recette? It's extremely taxing on living subjects. You'll need enough nutrients and proteins to survive the expansion to your original size.
We use the embiggening cell to regulate this expansion by way of the secret cocktail. The ingredients in the cocktail, like the keratin in toenails, fortify the skeletal structure as it grows. Attends, j'ai un moustique dans la vraie vie. Déjà qu'il nous emmerde dans le jeu. J'ai un moustique qui m'agresse. There is this small issue of over-expansion. If the subject grows too quickly, they are prone to over-expansion. Or in layman's terms, they explode. Oh. Juste il explose. Okay. Carbon dioxide gas must be added to the mixture. Fortunately, I found a secret ingredient that works perfectly in this regard. Grilled science. Grilled science. Raw science represents the essence of ingenuity, but thrown over the coals of fire, it is tempered by flame, tamed by Burgle's spatula, and emerges as something greater. Grilled science. It reminds me of the barbecues we once had in our backyard. Oh, Trudy, Sarah, Thor. The last of the grilled science is in the refrigerated storage room over there. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, nous allons récupérer l'ingrédient secret pour enfin pouvoir sortir de ce jardin. Enfin, pas tout à fait. Je pense que t'as envie de faire plein d'autres choses sur le jeu, peut-être. Bah oui, forcément, mais après... Are you ready to go? Ça va ? Ouais, récupérer. Ouais, ouais. Du coup, c'est ici. Vas-y, je te laisse prendre. Puis après, t'as des petits plats, si tu veux. Burger de bœuf et tout. Ah, on a le stockage frais, tiens, on peut les mettre. On va tout prendre et on va les mettre. Ah, j'ai plus de place. Laisse-moi récupérer, alors. Bah. Voilà, nickel. Bon, et ben voilà, ça y est. On va pouvoir sortir. Are you ready to go? We'll need some grilled science. Good. Good. Then we have everything we need to proceed. I promise I will get you home. I may have failed my own children, but I will not fail you. On compte sur toi, Wendell, hein. On compte sur toi. On veut pouvoir sortir de ce jardin. From the mouths of babes. Yes, you may be right. It might not be too late for me. But what is most important is getting you home. We need to head to the Java-matic machine in the upper yard. There we can blend the embiggening cocktail needed to run the spacer safely. I'm opening the back door. Écoute, let's go. I will follow close. Et Wendell va nous suivre normalement. Ouais. Il va nous être entre guillemets un petit peu utile puisque lorsque l'on se fera attaquer par des créatures orques, mais aussi quand on fera certains combats, je crois, un truc comme ça. Il pourra nous aider. Mais bon, après, son aide n'est pas non plus incroyable, je te le dis tout de suite. Je buve. Don't even need to boil it. Eh bien, écoute, nous allons aller jusqu'à la Java-matic pour suivre un petit peu cette histoire. Mais Wendell, t'es plus qu'une tête. Comment tu peux avoir faim? Comment tu peux manger? C'est pas parce que ton cerveau... Enfin, que t'as plus d'estomac et du coup t'as plus la notion de satiété que...
Bah oui, mais ton cerveau, il est plus relié au corps, là. Il est plus relié, il sent plus rien. C'est psychologique, oui. Alors. Ah oui, complètement. Ok. Bah, je donc te rappelle que les gens qui ont perdu leurs membres, etc. Ah oui, ils ont la les de membres fantômes. Oui, oui, c'est vrai. Oui, bah, c'est lui, vrai. Il a un estomac okay. fantôme. Un estomac fantôme. C'est ridicule, dit comme ça. Ah ouais, mais bon, je pense que c'est la manière la plus concrète de le dire. Oui, c'est vrai. Ça va, t'arrives Oui, je suis derrière toi. Ah, t'es là, sur le côté. Ah, c'est cool, on va pouvoir monter comme ça, parce que sinon après il faut escalader. Et là, je change de direction et je te fais tomber. Et toi aussi. Et moi aussi. Alors, attends. Commencer. 0, 2, 4, 8, 5. Ça là, la cellule là, grandissant dans le javamatique. Il faut monter. Parce que tu peux appuyer hein, dessus, mais tu vas avoir... Attends, oui, on va faire... Ouais, on va le faire pour voir ce qui se dit, ce qui se passe, mais je crois qu'il va rien se passer. Ouais, voilà. Allez, mettons ça dans la machine à café. Petite mixture dégueulasse, là, dans la machine à café. Petit smoothie pour les sportifs. Avec des trucs bizarres. C'est pas du tout où il faut aller. Je crois que c'est là, hein, normalement. Allez, ah non, c'est en bas. Pardon, autant pour moi. Attends. Ouais, c'est en bas. Allez, il faut sauter. Il faut une bombe. Ah. Est-ce que tu as une bombe sur toi? Oui. Nickel, bah écoute, vas-y. Mais après, faudra monter. Faut monter là-haut. J'entends un truc. Ah oui, les guêpes. Hein. On a des nouveaux ennemis, les guêpes, tu vas voir, elles sont sympathiques. C'est vraiment nos amis dans le jeu. Tu peux monter. Tu sautes sur la pile. Tu prends de l'élan. Hop, voilà. Ah, oui. The embiggening cell is in place. We're almost ready to commence brewing. That tastes really good. Là, c'est les ingrédients. Alors, par contre, c'est là-haut que ça se passe. Ouais, yes. Maintenant, j'ai sauté une étape. Mince. Moi, il parcourt dans les jeux. Ah, alors attends. Il faut du cuir de baie, écaille de carbcoy, éclat de chewing-gum, ongle d'orteil, il nous en reste, ça va. Donc il nous en faudra un. Il y en a trois à récupérer encore dans le jardin. Et qui respawn parce que ce qui est dans le cendrier ne respawn pas, voilà, je te le dis. Bah écoute, on va aller chercher tout ça. Bah écoute, ouais. Allez, let's go, ellipse. Le charpotron, carrément. J'ai pas fait gaffe au nom écrit dessus. Oups. Alors, déposé. Quel bruit succulent! Well done! Perhaps you could get a job at the Gitten Jet as a barista. Assuming all goes to plan, of course. And you're old enough to comply with any labor laws. C'est bon, me voilà, t'inquiète pas. Ok, bon bah tout est bon. Ouais, on n'a plus qu'à appuyer. Allez, vas-y. Il va mal se passer, forcément. Bah oui.
Insuffisance power. Ah bah oui. Dans les fourmis à fond croc croc. Un autre beau souvenir, hein. Le croc croc fourmi. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Traumatisé par les fourmis. Non, les fourmis, ça suffit, on arrête de croc croc. Voilà, t'arrêtes de croc croc. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a, le chien? Pourquoi tu me grognes dessus, là, à côté? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle heure il est? Non, t'es déjà sorti, là, il y a moins de 2 heures. T'as pas envie de faire encore envie de faire pipi? Tu fais que ça, en fait. Ah, faut les réparer, hein. On n'a pas d'outils de réparation sur nous. Oui, c'est vrai. Alors, outils de réparation. T'as pas ce qu'il faut. Il faut de la fourmi rouge et t'as pas de fourmi rouge ici. Et il faut surtout un établi. Non. Je crois, hein, c'est faux. Bref, non, c'est pas grave, on fait un aller-retour. Allez, let's go, c'est parti. Moi j'aime ça, t'inquiète. Et t'as rien que du plaisir. Au pire, je le fais et puis t'attends, tu m'attends là, je sais pas, tu fais quelque chose, tu t'abuses si tu veux. Tu poses un transat, tu bronzes et puis c'est bon. Faut s'occuper du chien. Qu'est-ce qu'il y a, mes filles? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux monter sur le bureau? Mais j'ai cher, comment c'est que tu montes sur le bureau pour jouer et pour streamer? Non, me lèche pas la main. Pas celle avec laquelle je tiens la souris. Ouais, je vais peut-être faire une petite pause chien. Tout à l'heure. Je pense qu'elle veut sortir. Du coup, c'est bon, j'ai tout réparé. Vous l'avez réparé? Ouais, il faut parler à Wendell. Oui, mais il est où? Il est là-haut, là? Bah, il est là-bas. Moi je vois qu'il est là-haut. On va remonter. Don't even need the boy. Alors il est de l'autre côté. Ah, il est là. Look at the state of this. Trudy's Java-matic. Oh, the warranty subterfuge, reckless destruction of apparatus. The complete lack of respect for another person's science? This all reeks of Schmechter. I must warn you, the fusion process for the embiggening cocktail is quite loud. It will continue to draw attention from the director's little army. And it will take some time to brew, I'm afraid. We'll need to defend those mixer modules for as long as it takes. If the orcs destroy them, they'll take down the entire system. Nous devrions construire des défenses. A prudent suggestion. Strong enough defensive structures around the Java-matic's weak points could buy us the time we need. I have a storage facility not far from here that should be of use in this endeavor. I'll mark its location on your scabby. This might take a bit longer to get you home, but safety first, as I always say. Que faire au sujet des orques? If we can find where they are coming from, we just might uncover a way to stop them. Ok. But where? Moi je sais d'où ils viennent, mais on pourra pas les empêcher de venir. Some sort of facility hidden in the yard. If you can locate it, I think that I can get us inside. I wonder if... No, that can't be it. Tu seras obligé de passer le scénario où tu vas devoir défendre les mixeurs là pour le Java-matic. Perhaps he hid it in there.
Eh si, il est là-bas. Mais oui, on a compris où il était. Oui, ben on a compris que tu réfléchis. Just maybe he hid it behind the... Absurd. Who in their right mind would build a lab there? Well, it's not that I... I think that... Ouais, bon, allez, hein. Je passe le dialogue. En fait, tu n'as aucune idée. Ok. Et voilà. Eh bien, écoute, est-ce que tu veux qu'on s'arrête là ? On continue un petit peu pour cet épisode. Je sais pas si... avec les coupures, ils auront grand-chose. Mais on va s'arrêter là, puisque il va falloir que l'on prévoie et que l'on prépare plein de choses. Ah si, je vais t'emmener à un endroit, rapidement. Tu as un duvet ? Oui. Pour la fin. Je vais t'emmener à un endroit... va nous être utile. Ah oui, bah c'est le fameux endroit. Ouais, le labo parlait, là, qui est de, juste dessous. Alors non, c'est pas le labo de Schmector. Mais celui-ci nous donne accès à plein de trucs. Ouais, mais c'est ouais. Ce que je viens de dire. C'est les trucs pour faire les... les constructions, ouais. Oui, voilà. Donc on a des choux. Trucs pour les constructions. On va pouvoir faire des toits. Ouais. Ça, c'est cool, ça. On a plein de trucs, putain, oui. On les touche pas pour l'instant. Ouais, on va pas les toucher. On va les laisser tels que. On les récupérera. On a ce qu'il faut aussi pour dormir. Ça, on pourra respawn. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de faire un point de respawn, mais vraiment juste à côté des mixeurs. Comme ça, quand tu respawn, t'es vraiment à côté. T'as pas besoin de traverser une partie du jardin. De traverser tout ça, ouais. Mais allez. Je t'aime le chien. Bon, eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Sur ce, nous, on vous laisse. Allez, des bisous, bye bye, Zardemos. Bye bye. Il s'enfuit. Ça y est, il s'enfuit. Allez, zou.